Tu fais un peu mieux qu'hier? Ouais, encore mieux, c'est bon. Moi, le Covid disparaît petit à petit et demain, j'ai mon test PCR du coup. Comment sortir du silver quand on est stuck et pour avoir une meilleure vue du coup? Alors déjà, je t'arrête directement, c'est ton premier message dans le chat. Quand tu vas passer de silver à gold, ta vie ne sera pas meilleure IRL. Loin de là, ça sera potentiellement pire. Pour sortir du silver, il faut regarder ses replays et voir où c'est qu'on pue la merde. Très simple. C'est-à-dire que si on veut monter en elo, il faut investir du temps pour vouloir... Oh non, je suis avec la luce. C'est moi la DC. Y a-t-il plus de mauvaises nouvelles que la personne qui m'a flemme l'avant en n'étant pas extrêmement bonne se retrouve à être mon support dans la game qui suit quand je suis autofill? Excusez-moi, mais c'est quand même pas extrêmement lucky, quoi. Ça a joué Senna. Attends, j'ai pas Senna? Attends, c'est pas possible, je suis sûr... J'ai pas Senna. Voilà, ça va être Ezreal, du coup. Mais ça serait pas un dodge, là, en vrai, là. Pourquoi cette game se lancerait, là, après mûre réflexion? Ça sera clairement mon dodge du jour. Il est très bon, ce dodge. Hein. Les amis, aujourd'hui, je peux dire que j'ai rajouté une petite victoire. Ah, mon top était autofill, il était main ADC. Enfin, il y avait plusieurs problèmes, là. Et plus la champion select, plus la case amid. Oh, ça fait beaucoup, là, quand même, là. Là, c'est beaucoup les problèmes, là. Dodge fait partie du jeu, les mecs. Dodge et savoir dodge fait partie des éléments qui permettent de monter en elo. Mais ça, c'est écrit dans mon livre, encore une fois, mais les gens sont pas encore prêts à le savoir. Hop là, on perd quelques LP. Oh, c'est pas vrai. Quelqu'un dodge à ma place. Non, je suis une légende urbaine. Non, je n'en reviens pas. Faut que j'achète Senna. Vous avez raison, mais je crois que j'ai pas assez de... Luc, je m'en branle. En fait, je m'en branle, mais j'aime bien les garder, les mecs, hein, pour ceux qui se demandent pourquoi je reroll pas. C'est que je m'en branle, mais... Vas-y, je vais en prendre un petit Damumu. Je m'en branle, mais j'ai du mal à reroll, quoi. En fait, je suis un radin, je crois. En plus, en ce moment-là, pour vous dire un ordre d'idée, j'aime trop les collections en ce moment. Je suis parti sur une nouvelle collection, les mecs. Donc, il y a un truc en rapport avec de la nourriture, manger comme boire. Et dans ma tête, j'ai décidé que chez moi, j'allais avoir une collection de ça quand les gens viennent chez moi, tu vois. Si vous arrivez à deviner ce que j'ai décidé que j'allais avoir comme collection chez moi, franchement, vous êtes des boss. Les pots de moutarde, pas du tout. Collectionner du vin, des baguettes, non. Ok, personne ne trouve pour l'instant. De la bière, non. Truc dans les galettes, mais rien à foutre de ça. Les épices, non, mais c'est une bonne idée, tu vois. C'est un peu comme ce genre de délire, tu vois. Oh, ça trouve de la part de Slavik. Les amis, j'ai décidé de faire une collection de sirops. Je trouve ça trop stylé. Je veux que les gens qui viennent chez moi et qui veulent boire un coup ou qui ont soif d'eau voient ma collection de sirops et puissent choisir comme ça en mode quel parfum je vais prendre et qu'il y en ait littéralement genre une vingtaine, tu vois. Et en plus, c'est beau un sirop à regarder, tu vois. C'est joli, tu vois. J'ai trop envie de ça, genre. Et je suis en train de le faire. Là, actuellement, j'en ai 5. J'ai kiwi, j'ai pomme, j'ai pêche et j'ai malheureusement, bon là je dis malheureusement parce qu'on pourra jamais le terminer, fraise banane. Il est ignoble et en gros il sera juste là pour la collection parce qu'en vrai il est imbuvable. Alors évidemment je pourrais vous dire bah les mecs je vais dans le magasin et j'achète le rayon sirop et on n'en parle plus. Mais non, parce que ça c'est pas avoir une collection, ça c'est le plaisir, il disparaît. J'ai le droit à 2 sirops à chaque fois qu'on va faire les courses. C'est ce que je me suis donné comme objectif et je compléterai du coup ma collection comme ça. Si jamais il y a un sirop qui passe à 0, je dois le racheter du coup. Aux prochaines courses j'en aurai qu'un, donc cette collection va me prendre littéralement plus d'un an, je pense. Trop bien. Tu prends quelle marque? Les Monins. Ouais. Attends, je viens de recevoir un message Discord. Bah, dis-toi que moi, je collectionne... Quoi? Les boîtes vides de Cubor? Mais ça, c'est pas une collection, ça, c'est une vie de merde. Désolé, hein. Non, mais c'est grave, l'autre, il collectionne des Cubor. C'est quoi la prochaine étape? Tu collectionnes quoi? Des canettes de Monster? Enfin, pfff. Ah, c'est ridicule, hein. Aussi ridicule que ce dodge. Ranger Lulu. Non mais les mecs, enfin, il y a un moment, c'est tellement simple de savoir quand il faut dodge. On prend ses 5 minutes et c'est pas grave. C'est vraiment des merdes. Hein. J'arrive tranquillement. Ranger Lulu. C'est bon, il n'y a pas de problème, frérot. Et je les prends ces 5 minutes. Bien sûr que je la dodge cette game. Et j'attends même pas les 5 bans pour pas faire perdre du temps à mon chat. Allez, on a perdu nos petits LP. Ok, 22. 4 minutes 40. Ah non, mais c'est ça, Monin. Ah non, mais moi, c'est pas Monin que j'ai, les mecs. C'est vrai que c'est stylé, Monin. Merde. J'ai pas Monin, moi. Oh, vas-y, c'est bon. C'est quoi cette qualité de fils de pute? Monin obligatoire pour cette collection. Vous êtes en train de me dire que mes 5 sirops servent à rien, là? Et que ma collection, j'en suis à 0? Oh là, les mecs, je suis abattu, là, vraiment. C'est vrai que ça donne un vrai style, là. Vous m'avez motivé, là. Moi, il est blanc, et il a un petit capuchon vert, souvent, que t'ouvres comme ça. Attends, mais je vais regarder sur Internet ce que j'ai, là. Sirop, marque de merde. Si je tombe sur le mien, c'est catastrophique. Sirop, marque de merde. Ah, bah, il est là, hein. Ah, si, c'était Sire. Moi, c'est ça que j'ai, moi. C'était ça, ma collection. Là, c'est la douche, là. Oh, le Diana Yasuo, oh, il est vilain celui-là. Oh, c'est un gros vilain lui. Oh, le gros vilain. Oh, le combo parfait. Eh, en vrai, je vais jouer Inspiration pour scale encore plus. Oh non, pas Kindred. Est-ce que vous avez souvenir de ce qui s'est passé à la dernière game de Kindred? Ok, tu t'es fait latter la gueule, oui, je me rappelle. Alors en gros, je vous explique. Ma dernière game de Kindred, elle est extraordinaire. Je suis contre un Kindred, et je dis à mon chat Twitch, en toute gentillesse bien sûr, les mecs contre Kindred, il ne faut jamais trade, le perso est une honte absolue en early game. Il ne faut jamais, au grand jamais, trade. La game se lance,
On invade level 1, ce qui est pas forcément un trade, hein, je parle d'un trade de jungle. On le tue, je prends son raid, je prends les Vrace, je back, je prends une épée longue, je vais à mon raid, je passe level 3. Il arrive level 2 bleu au niveau de la rivière, je suis level 3 avec un back. Donc je joue Kayn, level 3, raid buff, une épée longue supplémentaire contre Kindred, level 2, blue buff. Là je vous dis, ouais, il y a quand même des limites, tu vois, évidemment faut pas trade, mais quand même, j'ai perdu. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vraiment, je vous jure, j'ai Rabadon level 2, il prend ce carapateur, tant pis, peut avoir tout, rien à foutre. J'en fais des cauchemars. Je répète la règle, mais cette fois-ci, je vais l'appliquer en bonnet du forme. On n'approche pas du coronavirus Kindred avant d'être minimum level 6. Franchement, je pense pas qu'il se doute de quelque chose là. Vous trouvez que le Yasuo est suspect? Parce que moi, je trouve que ça va en vrai. Ouais, non, on pouvait pas deviner, mais on était là depuis le début. C'était un prank, bro. Ok, mesdames et messieurs, je me répète trois fois la phrase dans ma tête. Je n'approche pas de Kindred. Je n'approche pas de Kindred. Je n'approche pas de Kindred. C'est quoi ce pool de fou furieux? Non. Il est mid. Regardez, il a que 3 camps! Je peux rien faire contre mon clear à la base. Faut juste qu'il m'approche pas en fait. Et niveau 4 non plus, hein. On va attendre vraiment le niveau 6. Hein. C'est pas grave, tu meurs, mais tu fais un kill. Je le tente. Les amis, je vous ai dit quelque chose, mais. Je joue Diana, c'est une dinguerie. Open. C'est un pour un, s'il te plaît. Non, arrête tes conneries. Tu le prends, tu le trades en pur AV1. Qu'est-ce qu'il fait? C'est une catastrophe. Je ne regarde pas ce qui se passe. Il a failli le faire, hein. Mais après là, je lui ai pris sa stack en vrai. Non, j'ai regretté un peu quand même. Oh non, mais vas-y, c'est bon la marque. Regardez! Comme il peut me courir dessus! Ah oui, non, mais là c'était pas prévu là! Ah ouais, non, mais la botlane s'est foutue de ma gueule là! Ok, c'est un kill! Allez, s'il te plaît, fais une dingue! S'il te plaît, punissez-le! Tapez, ça devrait passer! Oh, c'est du jamais vu, mec, c'est du jamais vu! Non, mais là ce qu'il a fait, mais vous vous rendez compte de ce qu'il a fait là? J'arrive pas à m'écouter. En fait, j'ai la haine. En fait, je sais pourquoi j'y arrive pas. Parce que j'ai la haine contre le pic. Il me donne la haine. Alors là, je vais pas vous mentir qu'il m'a mis très bien. Attendez, j'arrive là. Je vais faire une ligne droite bot là. Putain. Oh bah là c'est pas ma faute là. Le perso se permet trop de trucs! Je vous le jure, c'est une dinguerie! Open broken! Ridiculous! Ridiculous! Elle l'a dit! Il le dit, pardon. 0% win rate contre Kindred en 2 ans de métier. Ah, peut-être, mais. J'avoue que mon top est clairement plus fort que la botlane qui demande des ganks. Forcé de constater! Ok. R ? Pourquoi il a pas R ? Il avait pas son R ! Il avait pas son R, frérot ! Après, il peut peut-être pas le savoir, le Yasuo, mais bon... Il voit bien que si je fais ça, c'est pas pour rien, genre. J'ai quand même pris Diana pour le combo Diana-Yasuo, quoi. GR, il a oublié de R. Un autre kill, je dirais pas, non. Oh non, Lux ! Arrêtez ! Vous ratez tous vos skills ! J'ai rien dit, tu l'as touché.
Allô, allô. Là, c'était pas du lag, là. C'était volontaire, ok. Je ne retournerai pas. Je scale. Ça y est, je suis en train de briller, là. Je me retransforme. Allez, on prend ça, je le mets top direct. Cette game est putain de comeback, mon pote. Oh putain, dommage. Oh non, non, je sais très bien ce qu'il veut. Je le sais, je le sais. Je fais mon maximum. Faut juste que je la cite le gros, non, on est d'accord. Oh, il m'a ignite! Mais quelle victime! Je crois qu'il a pas sa marque, hein. Pendant ce temps-là, botlane. Elle a pas l'air à fond, là. Il y a que moi, là, où j'ai mis l'écran et j'ai l'impression que c'était en train de poser plage, là. Il a failli trade kill, hein! Il a trade kill! Non, il l'a pas dit, il a pas. Ah non. Non mais attends, mais ils se foutent de ma gueule là par contre. J'ai une proto mais bon. Arrêtez, arrêtez, oh. Oh non mais là ça fait beaucoup là. J'avais tellement bien esquivé en plus. Oh non, la marque est là. Non mais c'est honteux, elle est sous ses pieds genre. Putain, la game est trop dure. Elle a pas de flash hein. Nice. Mais il est big hein. Okay, je prends quand même 3 camps là-dessus. 3 camps, la tourelle. Il est où? Non, arrête, arrête! Mais c'est une dingue! C'est une dinguerie! C'est une dinguerie ce perso! Il a... Non, bien joué, nique bien ta mère, Kindred. C'est une dinguerie. Non mais là, il est... Là... Non, Kindred est Aiden Broken depuis 2 ans, genre. Let's do some crazy combo, mais je sais pas si on en est capable, quoi. Flip it! On est déprimé, mais peut-être pas à ce point, les mecs. Ah, on est déprimé, d'accord. On est dépressif! Type dépressif, c'est nous! On est totalement dépressif! Je vais. Back cancel, en retard pour le Drake. C'est mathématique, mesdames et messieurs. We need AP. On est pas en open select, frérot, là. Hein. La game a commencé. Hein. J'avais pas smite. Je ne l'avais pas, je vous garantis que je l'avais pas. Ils vont jamais me croire, c'est impossible, t'as joué une seconde. Mais c'est impossible, comment tu veux que je leur dise que j'avais pas de smite? Alors que quand ils ont tous appuyé sur tab, il y avait un smite. Attends mais j'ai... On n'a pas joué le fight là. Il y avait pas Z. Et Urgot avait R. Pas fou là. La game a tellement tourné là. What? Ok. Pas mal Lux. Allez, juste cours, juste cours. Il y a des kills là.
J'ai mon zozo. Ça, c'est bien. Putain, si on avait le Drake. Oh. Oh. Oula. Oh non, non, non. On s'en dégoûte, mais il en a tellement besoin. Arrête, arrête, tu rates tes culs sur les creeps. Arrête, arrête. C'est le meilleur joueur de la planète. Il est tellement fait, c'est une honte. Comment on peut avoir autant de puages de merde dans les mains en étant aussi fed, genre. Le hub de Yeshua a l'air d'être une sacrée honte. Il y a le Drake dans 50, hein, il revient dans 30. Ah, c'est le moment d'acheter deux pinks. Et de slow vision from mid. Ah, je sais pas si on a le temps en vrai. Chill! Je suis pas chill! Laguez plus! Nice! Let's go! Winnable! T'es de ma gueule là. Atrox, meilleur joueur de la planète. Vas-y, Kinray, t'as... tu as de la chance que j'ai pas mon Zonia, Kinray. Tu as de la chance. T'en as beaucoup de la chance. Elle a pas son R là. Pourquoi il a son R dans 10 secondes là? Il vient pas de R à l'instant. Flash in, R, connect. Plante. Plante. Attends, mais comment, quoi? Mais comment ça marche? Je suis dans le... Il m'a sorti de... Quoi? Lux est la meilleure joueuse de cette planète! Attends, moi je suis allé me faire foutre, c'est du jamais vu, genre. Non, c'est grave, le combo avec Urgot qui me sort de l'ulti Kinray, du coup je me fais baiser et pas lui, genre. C'est un cauchemar! Bah non, mais c'est pas XD, c'est pas marrant! Nice! Nice! Oh, c'est pas tellement la diff! GR, hein, je m'en suis pas tenu. Let's go. Plus de flash, hein. Mais j'ai fait un bon engage avec Yas. On a de la chance, c'était pas dans le petit Kinray. En vrai, on a acheté un. C'est notre troisième Nash, non? Ou deuxième? J'ai l'impression qu'on arrive pas à les terminer. Oh! Quoi? Bien joué, ça. Ça peut clutch la game directement, là. Je pars en end machine, là. Pourquoi Yasuo va pas R sur mon R alors que le timing était parfait, là? Pourquoi il a anticipé son dash? Il est trop fort! Non, mais tu sais que mon R, les mecs, étaient bien! Hein. Parce que non, moi j'ai. Là, vous dites j'ai mal timé, mais non, j'ai timé par rapport au fait que Yasuo R par dessus! Hein. Nice!
j'ai gagné contre Kindred. C'est du jamais vu, genre. Les mecs, j'ai pas eu le dernier teamfight. Il y en a dans le chat qui me disent que j'ai eu le dernier teamfight. Je vois le R de Yasuo de up. Je R un petit peu avant la fin du truc de Kindred pour que mon R arrive en l'air, que Yasuo arrive par-dessus à la fin du R. Comme ça, ils ont pas le temps de flash avant de sentir le combo, tout ça, tu vois. Ils sont baisés super tôt dans l'ulti de Kindred et ils sont surpris. D'ailleurs, le Yasuo a dit my bad, I fuck it. Je m'attendais pas que tu le fasses aussi early, mais c'était normal puisque je voulais que ce soit l'ulti de Yasuo par-dessus qui termine, en fait. Et là, j'avais un timing avec 4 personnes et il suffit juste que les 4 personnes soient cessées pour qu'on gagne. Il y a trop de dégâts en late game, tu vois, dans tous les cas. Genre, c'est des trucs, c'est dur de l'en vouloir, tu vois. Mais voilà, c'était le plan à la base, quoi. J'avais des bons mates, là. En vrai, si t'enlèves la Kaisa, la Lux, ça allait et tout. Vous avez vu Kindred, c'est... Mais après, par contre, ça, il a eu du mal. On avait une compo teamfight qui était vraiment solide. Mais ouais, la game était cool, là. Clairement, la game était cool.